Bonjour à vous-même qui regardez vidéo ça. Moi connais nous toutes qui là habité à sirop miel. Et moi connais tout en pile dans nous là rémé bre sirop miel. C'est un sirop qui vraiment douce et qui populaire en pile. Mais est-ce que nous connaît qui ça composé sirop miel? Est-ce que nous connaît qui qualité éléments qui dans sirop miel? Et bien dans vidéo ça, moi va présenter tout détail qui gagne dans sirop miel. C'est vous ça m'a invité à regarder vidéo ça jusqu'à ce qu'elle finisse. Et moi certain que si vous regardez toute vidéo ça, vous pas regretter parce que vous va apprendre pile bagaille là-dedans. On arrive. Sirop miel pas seulement un aliment, mais c'est un complexe qui associe nutrition et médicaments. On regarde ensemble tout ça qui gagne dans sirop miel. Sirop miel c'est une substance qui sucre en pile. C'est abeille qui forme il à l'aide des nectars fleurs. Il est composé de plus de 80% de glucides. C'est un aliment qui est riche en énergie pure. Nous trouvons principalement deux sucres dans le sirop miel. Nous trouvons fructose et glucose. Deux sucres simples qui ne vont nécessiter aucune digestion avant l'absorption. Parce qu'ils sont facilement assimilés par l'organisme. Le sirop miel est un aliment qui est nutritif en pile. Il est très bon pour la santé. Sirop miel réputé pour propriétés nutritives impressionnantes qu'il gagne là-dedans. Bien fait sirop miel en tant qu'aliment, il nombre en pile. Et tout ça là-dedans. Il gagne sucre, fructose, glucose, maltose. Il gagne sel minéraux. Il gagne acide aminé. Il gagne acide organique. Il gagne vitamines, il gagne enzymes, flavonoïdes, oligosaccharides, carotenoïdes. Il est composé de phénoliques. Li gagne acide ascorbique. Et en plus de ça, le sirop miel là li riche en calories, li riche en glucides, li riche en antioxydants. Et li c'est une source de potassium. Sirop miel là li possède ça relé des effets prébiotiques. Et bien, on garde tout ça que nous joignons dans 100 g de sirop miel. Nous trouvons 304 kcal, 17,6 g d'eau, 0,56 g de protéines, 81,7 g de glucides, 7,93 mg de calcium, 0,017 mg de cuivre, 0,18 mg de fer, 0,5 microgrammes de iode, 4,26 mg de magnésium, 0,16 mg de manganèse, 5,6 mg de phosphore, 70,3 mg de potassium, 4,11 mg de sodium, 0,098 mg de zinc, 0,8 g de vitamine C, 0,069 g de vitamine B2 ou riboflavine, 0,11 g de vitamine B3 ou niacine, 0,069 g de vitamine B5 ou acide pantothénique, 0,092 g de vitamine B6, 2 g de vitamine B9 ou folate toto. Bien là, c'est une source alimentaire d'antioxydants. La majorité des antioxydants, c'est flavonoïde. Et flavonoïde, ça peut interagir dans ce qui relie neutralisation des radicaux libres coïmères. Ça qui va permettre une prévention de l'apparition des maladies cardiovasculaires, de quelques cancers et quelques maladies neurodégénératives. Avec propriété thérapeutique ça yo, bien fait miel là, il pas camper là. Miel là a une vertu antibactérienne. Miel là efficace contre tous et contre gorge fait mal. Il a une fonction régulateur pour tout digestif là. Quelques caractéristiques miel là, tant qu'il a un bas pH potentiel d'hydrogène, yon grande viscosité qui limite dissolution oxygène et yon faible concentration en protéines qui confère li yon effet antibactérien important. D'ailleurs, li gen possibilité pour le capable prévenir mais traiter quelques affections gastro-intestinales mineures, tant qu'ou inflammation ou bien ulcère gastrique lè ki ou bwè sirop miel. En effet, sirop miel là li diminue adhérence cellules bactériennes sous cellules épithéliales intestinales. Ça qui peut empêcher bactéries fixer et proliférer.
En plus de ça, les mettez à profit pour propriété anti-inflammatoire. Si vous avez gagné des propriétés thérapeutiques pour le capable régénérer l'épiderme, et qui connaît ça épiderme, eh bien, avec propriété thérapeutique, ça y est, si vous avez devenu un soin antiseptique efficace dans le processus guérison infection. Même gens li servi dans la cicatrisation du tissu corps humain. Parmi tout bienfait que miel a gagné, li gagné propriété régénératrice pour superficielle épiderme. D'ailleurs, dans laboratoire cosmétique yo souvent employé miel pour capable réaliser plusieurs produits de beauté et soins corporels. Même si c'est crème hydratante, même si c'est masque, même si c'est gel, savon, bain moussant, pour ne citer seulement ça, le laboratoire cosmétique a toujours utilisé miel pour capable préparer genre de produits ça. Propriété cosmétique miel là, c'est pas bagaille qui doit démontrer encore parce que il est vraiment à grand échelon. Et bien là, il n'y a pas besoin de traiter dans le laboratoire pour être capable de servir comme une propriété cosmétique. Même le bois miel là, comme ça, vous êtes capable de jouir des bienfaits. Mais 8 autres bagailles que vous devez connaître sur le sirop miel. 1. Sirop miel là, il est rempli avec ingrédients miraculeux. Il y a un sirop miel qui est pur, qui est naturel, il a un pile avantage pour la santé. Depuis des siècles, le sirop miel est toujours utilisé pour capable promouvoir la santé et la guérison. Il y a un fait qui est plus important que nous devons connaître le sirop miel là, c'est le seul aliment que nous avons consommé et qui produit par un insecte. 2. Le sirop miel n'a jamais fait dépôt. Le sirop miel, si on a un rare aliment, de bon mettre dans un récipient pour conserver, la fait en pile temps, il va jamais gâter. Ce miel là, c'est une substance qui est acide naturellement et il pauvre en humidité. Ça qui fait que il a un environnement inhospitalier pour bactéries. 3. Abeilles yo survivent grâce à sirop miel yo dans période hiver, période qui fait froid. Abeilles travaillent dans toute période été pour capable assurer que yo gen suffisamment de miel pour capable soutenir riche là les périodes hiver li rivé. 4. Sirop miel là, c'est un médicament. J'ai souvent utilisé sirop miel là comme bandage naturel pour protéger coupure, brûlure contre infection. Je tiens sirop miel là, il est utilisé comme traitement naturel pour pellicule, pour ulcère d'estomac et pour même allergie saisonnière. 5. Sirop miel là a différents goûts et différentes couleurs. Goût sirop miel là pour déterminer selon source nectar là. Ça veut dire selon qui nectar abeille a été point pour capable fabriquer sirop ça. 6. C'est pas toute abeille qui fait sirop miel. Il existe environ 20 000 espèces d'abeilles sur la terre. Et c'est seulement une petite quantité qui fabrique miel. 7. Sirop miel pas produit exclusivement par abeilles. Li gen guêpe mexicaine qui produit également une grande quantité de sirop miel. Mais attention, sirop miel ça li parfois toxique selon fleur que guêpe la utilisé pour faire sirop miel. 8. Apiculteur le al prélevé sirop miel qui nan riche là yo pa prend tout. Yo simplement prend surplus. Yo pa prend tout parce que yo sirop miel pour abeilles capables de vivre. Abeilles même produisent 2 à 3 fois plus de miel qu'ils ont besoin pour capable survivre. Eh bien, apiculteur ça c'est surplus ça qui apiculteur prend. Yo quitter quantité sirop miel qui nécessaire pour abeilles capables de survivre. Sinon si on prend tout, c'est craser riche là. Merci à vous parce que vous avez suivi la vidéo.
Et je souhaite que vous vous abonniez en pile bagage sur ce miel dans la vidéo. Je vous demande de vous abonner à la chaîne là, activer la cloche de notification, de façon à vous notifier chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée sur la chaîne là. Merci, et rendez-vous pour ça, c'est pour l'autre vidéo.